Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette diffusion en live du projet Je m'oriente, propulsé par Jeunes Explo, stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet ici à l'organisme, puis il me fait très plaisir d'animer cette entrevue avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, initialement à Jeunes Explo, ce qu'on propose en fait, c'est des stages d'immersion en milieu de travail, des stages d'exploration pour te permettre d'aller explorer de façon concrète le métier ou la profession qui t'intéresse, pour t'aider dans ton choix de carrière. Et étant donné la situation entourant la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller sur le marché du travail pour l'exploration. Mais c'est la raison pour laquelle on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour quand même te donner une bonne idée de ce qui pourrait t'attendre dans le métier qui t'intéresse. Alors aujourd'hui, on est très chanceux d'avoir avec nous le docteur Luc Veilleux qui va nous parler de sa profession d'orthodontiste. Bonjour, docteur Veilleux. Bonjour, bon matin. Bon matin à tous ceux qui se sont levés dans le milieu de la nuit, dans votre réalité, parce que j'ai deux adolescents, puis pour eux, 10 heures du matin, c'est le milieu de la nuit. C'est bien vrai. Donc vous, docteur Veilleux, ça fait plusieurs années que vous participez à Jeunes Explos, je crois. Pour quelle raison est-ce que c'est une cause qui vous tient à cœur d'accueillir des jeunes en stage? En fait, ma réalité fait en sorte que je travaille avec des ados. Presque 50% de ma clientèle ou même plus sont déjà des adolescents, donc j'ai une facilité à rentrer en contact avec eux. Et je comprends aussi l'ampleur du choix qu'ils doivent faire en bas âge. Quand même, on a quand même 14, 15, 16, 17 ans et on devrait choisir qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à l'âge de 60 ans. Quelque chose qui est très difficile à réaliser. Donc, l'idée de leur permettre de venir voir en clinique quel est le quotidien, je pense que ça leur donne un bon coup de pouce à ce niveau-là. Oui, puis nous, on apprécie grandement votre participation à chaque année. Sinon, on sait que vous êtes orthodontiste et vous êtes aussi propriétaire de votre propre clinique, la clinique d'orthodontiste Luc Veilleux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, c'est une clinique qui est à Lévis, donc sur la rive sud. Une clinique que j'opère depuis maintenant 12 ans et qui est une clinique généraliste. Donc, ça veut dire généraliste dans la mesure où est-ce qu'on ne dispense que de l'orthodontie. La spécialité de la dentisterie. Et donc, on va traiter aussi bien les tout jeunes qui ont besoin de faire élargir leur palais que les adolescents qui ont les dents mal alignées, les dents croches, tout simplement. Ou des gens qui ont des dysharmonies ou des problèmes squelettiques faciaux beaucoup plus sévères. Donc, des malformations au niveau du visage qu'on va traiter également. Donc, c'est vraiment une gamme variée. Puis, il va y avoir aussi le petit détail esthétique. La personne qui veut juste une correction esthétique pour simplement avoir des belles dents, outre le côté fonctionnel, on va voir aussi ces patients-là. Et puis, en termes un peu plus concrets, à quoi ressemble une journée type d'un orthodontiste à la clinique? En fait, la journée type va être divisée en quatre sections, si je peux dire ainsi. La première section va être la section consultation, où est-ce qu'on rencontre des patients pour la première fois. Donc, des patients qui pensent avoir un besoin orthodontique, ou qui ont été référés par leur dentiste. Donc, vous voyez votre dentiste régulièrement aux 6 mois ou aux années, et le dentiste vous dit « Ah, je détecte tel problème dans votre bouche, vous devriez aller voir un orthodontiste. » Donc, en consultation, je vais voir le patient, je vais diagnostiquer des problèmes ou des situations au niveau facial, au niveau de la relation des mâchoires, l'alignement des dents, est-ce qu'il y a des dents en trop, est-ce qu'il y a des dents manquantes, est-ce que les dents sont proches, c'est ce qu'on va diagnostiquer. Et le jour même, on va aussi donner les solutions possibles. Donc, voici la façon de corriger la situation. Des fois, il y a plus qu'une façon. Des fois, il faut le faire immédiatement. Parfois, il faut attendre. Parfois, il faut se faire aider par d'autres spécialistes, d'autres spécialités en dentisterie. Et le jour même, on va leur dire combien ça coûte. Parce que les services orthodontiques au Québec sont des services, ce sont des cliniques privées, donc c'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc, on explique aussi la question des coûts, des délais, le temps de traitement. Donc, tout ça peut se faire là lors de la première rencontre de consultation. Exactement. Donc, ça, c'est la première partie du quotidien d'une journée d'un orthodontiste. Ensuite de ça, il va y avoir une deuxième partie où est-ce qu'il va y avoir, pour les patients qui décident de commencer des traitements, je dois faire donc la planification du plan de traitement, créer le plan de traitement final, faire les diagnostics finaux. Donc ça, c'est la partie vraiment docteur, je dirais, là, où est-ce que la science entre en ligne de compte.
quel est l'appareil le plus approprié pour régler telle situation. Je dois faire concevoir ces appareils-là dans des laboratoires spécialisés, donc un laboratoire pour des traitements orthodontiques, pour des appareils orthodontiques. Donc, ça amène une autre profession parallèle à la clinique, une clinique d'orthodontie. Donc, il y a plusieurs professions en parallèle avec une clinique d'orthodontie. On pourra en parler plus tard. Et après ça, c'est la conception. Beaucoup de conceptions sont faites à partir de scans 3D, donc maintenant. Donc, il y a des planifications trois dimensions qui sont faites de la bouche du patient, de la bouche finale, du résultat escompté. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la réalité de l'orthodontiste. La troisième partie, maintenant, c'est on délivre le résultat. Donc, les appareils sont mis en bouche, on voit les suivis au niveau des appareils, est-ce que ça donne le résultat escompté, est-ce que ça évolue de la bonne façon. Ça, cette partie-là de ma journée, je dirais que ça représente plus 70% de ma journée. Et ça va être fait à l'aide des hygiénistes dentaires. Donc, c'est une troisième profession que vous entendez aujourd'hui. L'hygiéniste dentaire va travailler avec l'orthodontiste parce que l'orthodontiste va déléguer des actes. Donc, l'hygiéniste va faire des changements de fil, l'application de certaines règles de mesure au niveau des appareils et après ça, voir au bon déroulement de leur traitement. Il reste une partie, une section dans une journée standard. Je dirais la quatrième, là, c'est que c'est une question de gestion. Étant donné que je suis orthodontiste propriétaire, mais je deviens un chef d'entreprise. Ça veut dire quoi un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, il faut qu'il aille à la banque pour emprunter, pour acheter des équipements, pour qu'il engage des employés, pour qu'il évalue ses employés, pour qu'il paye son loyer, et il faut qu'il achète des fournitures et il faut qu'il gère son entreprise. Donc, il y a le côté chef d'entreprise qui vient avec ça dans une journée. Alors, le côté gestion entrepreneuriale, puis aussi le côté technique, science et médecine pour l'orthodontie. Voilà. Relation humaine, aussi relation humaine avec les patients et les employés aussi. Gestion de ressources humaines. Certainement. Puis quel genre d'outils vous utilisez au quotidien pour faciliter votre travail ou les logiciels que vous utilisez? Ben, il y a différents volets. Là, on est en pleine COVID-19. Donc, devinez quel genre d'outils on utilise. Ça va être des outils de protection d'outils, mais vous comprenez. Nous allons utiliser des masques, des gants, des éléments de stérilisation au même titre que les hôpitaux le font. Donc, je dois avoir un permis de radiologie. Donc, on prend des radiographies, vous le savez. Donc, je vais avoir un permis de radiologie qui est renouvelé à toutes les 2 ans. Donc, je dois prouver que mes appareils sont en bon état. Je dois faire la stérilisation, comme je vous disais. J'ai des tests de stérilisateur à faire à tous les mois pour m'assurer que le stérilisateur fonctionne bien. Il y a des méthodes. L'ordre des dentistes vient nous inspecter sur la qualité de la stérilisation, les méthodes d'asepsie et de stérilisation. Ça, c'est la partie médicale, je dirais. Ensuite de ça, au quotidien, nous utilisons beaucoup un scanner 3D. Je crois que vous allez l'avoir en image jointe, si je ne me trompe pas. Donc, beaucoup de patients ont décidé d'être traités avec la technologie Invisalign, donc des coquilles faites sur mesure transparentes. Oui. Donc, pour nous, le scan 3D est très utilisé dans une journée. Nous en avons d'ailleurs deux. Donc, autrefois, on avait des empreintes dans la bouche qui n'étaient pas bonnes, qui étaient... C'est un peu lève le cœur. L'agent de pâte à modeler. Exactement, la pâte à modeler, puis toute la marque, là, peut-être plusieurs ont des bons souvenirs par rapport à ça. Donc, le scan 3D est utilisé beaucoup. Ensuite de ça, des instruments, les instruments en bouche, on en utilise beaucoup, c'est sous forme de pinces. Donc, pour aller prendre des petites choses, ajuster des appareils pour changer les fils orthodontiques, changer les petits ressorts, des choses comme ça. Donc, c'est des pinces que votre dentiste n'utilise pas généralement dans son quotidien pour réparer les dents. Ensuite, logiciel. Au niveau logiciel, c'est un logiciel spécialisé pour les orthodontistes. Donc, au lieu d'avoir un dossier papier, parce qu'on est une clinique sans papier, au lieu d'avoir un dossier papier, ben toutes les données se rentrent par informatique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On doit réviser le questionnaire médical de chaque patient. Quand il vient à son rendez-vous, on écrit les fils qu'on a mis dans sa bouche ou quelle coquille Invisalign on lui a donné. On lui a donné la 10 à la 22.
On écrit, nous avons fait telle intervention. Vous savez que beaucoup de patients portent des élastiques. Quel élastique, quelle force, quelle durée. Et une fois que c'est rentré dans le dossier informatique, à la fin de la journée, c'est scellé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le côté médical qui fait en sorte que le dossier est scellé, on ne peut plus le changer. Donc, en gros, c'est un peu ça, les équipements. Puis, je suis curieuse de savoir, disons, un traitement d'orthodontie. C'est sûr que c'est très variable là, d'un patient à l'autre, mais disons, ça peut aller jusqu'à combien de temps là, avec un patient, son traitement? Je divise beaucoup mes réponses, hein, trouvez-vous. je vais vous diviser ça en trois parties. Donc, il va y avoir des patients qui ont besoin d'une première phase de traitement qui va avoir entre 7 et 10 ou 12 ans, 7 et 12 ans, hein, qui ont besoin d'une première phase de traitement qui peut être juste une expansion palatine. Ça représente peut-être 10 % de ma pratique. Donc, ces patients-là vont souvent avoir une intervention qui va durer de 6 à 9 mois. Donc, un petit appareil, on met un appareil pour élargir le palais, on aligne certaines dents, une dent qui sort pas bien, on corrige l'éruption de la dent, donc on permet à la dent de sortir au bon endroit. Ça, c'est 10 % à peu près de la pratique. Ensuite de ça, il va y avoir 50 % 60 % de la pratique, là, où est-ce que ça va être les adolescents, comme vous qui m'écoutez présentement. Donc, ça va être des adolescents qui ont différents problèmes, soit un problème fonctionnel au niveau des mâchoires, un problème d'éruption dentaire, trop de dents, pas assez de dents, dents manquantes, où est-ce qu'on vient gérer la fonction et aussi l'esthétique. Et il va y avoir aussi une grande partie maintenant, une partie qui est de plus en plus importante d'adultes qui vont venir se faire traiter. L'adulte qui vient se traiter, il y a deux raisons, je vous dirais, là, trois raisons. Soit que c'est un adulte qui n'a pas eu d'orthodontie quand il était jeune, comme moi. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un traitement d'orthodontie quand j'étais jeune. Donc, j'ai été traité à l'âge adulte quand j'étais dentiste. J'ai été traité par la suite pour mes problèmes d'alignement dentaire. Ensuite, il va y avoir les adultes qui, eux, ont un problème fonctionnel. Donc, ont des problèmes de digestion, de respiration, de mastication, fracture de dents à cause de mauvaises relations de leurs dents, qu'on décide de traiter aussi. Puis, il va y avoir les patients qui viennent pour des raisons purement esthétiques. Donc, ça vous donne un peu l'étendue là, des différents traitements qui peuvent être faits et le temps que vous vouliez le dire. Donc, les adolescents, on va parler de 18 à 24 mois en général, 15, 18, 24 mois. Les adultes, pour les traitements plus simples, esthétiques dont je vous parlais, ça va être du 12, 18, 15 mois, ou 12, 15, 18 mois. Les traitements chirurgicaux avec un problème squelettique important peuvent se rendre à 2 ans et demi et même 3 ans. Les temps de traitement ont beaucoup diminué. Donc, il y a une génération, j'étais plus jeune, là, il y a 25 ans environ, là, je vous dirais, là, ben, les temps étaient beaucoup plus souvent du 2, du 3, du 4 ans. Maintenant, on va parler plus de 18 à 30 mois. Donc, la technologie vraiment a aidé là, dans votre travail et dans la rapidité aussi des traitements. Définitivement. Il y a une question ici de Marc-Antoine qui se demande quel est le ou les plus grands défis de la profession? Marc-Antoine, moi, je te dirais, c'est de réussir à porter tous les chapeaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans une même journée, tu dois porter le chapeau de diagnostic, c'est-à-dire trouver le problème d'un patient et lui dire de façon immédiate. En même temps, tu dois gérer une équipe d'hygiénistes, peut-être de une personne jusqu'à 6 personnes ou 8 personnes. Nous avons une équipe de 10. Nous sommes 11, en fait. Donc, ça peut être, l'autre défi, c'est en même temps gérer ce groupe de personnes-là, avec la quantité de patients qui viennent avec, évidemment. Et aussi avoir le côté entrepreneur. Donc, réussir à tout faire ça, c'est un défi. On peut prendre ça comme un défi, mais la question d'orthodontie comme telle, ça devient un défi positif dans la mesure qu'on doit toujours réfléchir quelle est la façon de gérer, de régler tel problème au niveau des dents. Donc, les dents devraient partir d'un point A se rendre au point B. C'est pas arrivé. Je dois comprendre, je dois trouver dans ma tête pourquoi c'est pas arrivé et trouver la solution pour que ça se passe, pour que le prochain rendez-vous, la danse, soit rendu au bon endroit. Donc, je te dirais, Marc-Antoine, ça, c'est la partie la plus valorisante et la plus exigeante de toujours réfléchir. Fait que je peux pas arriver le matin là, à moitié endormi. Que mon cerveau soit allumé. Certainement une bonne capacité d'analyse, puis justement savoir quel traitement est à propos pour quel patient. Puis avoir toujours le succès en tête. Là. On ne peut pas se permettre non plus
les herbes. Exact. Non, docteur Veilleux, pour la formation, qu'est-ce que ça prend pour devenir orthodontiste? Au niveau de la formation, en fait, après le secondaire 5, on doit aller faire nos sciences nature, donc au cégep, pendant 2 ans. En général, il y a des gens qui décident de le faire en 3 ans, d'ailleurs, pour avoir une meilleure note pour rentrer en médecine dentaire. Donc, après avoir fait ces sciences nature au cégep, ils vont aller donc en médecine dentaire. Médecine dentaire à l'Université Laval, c'est 4 ans. L'Université de Montréal ou l'Université McGill sont les 3 universités québécoises qui forment des dentistes. Ça va être 5 ans. Donc, pour devenir dentiste, ça prend 4 ou 5 ans. Et en général, le dentiste va travailler de 2 à 5 à 7 ou à 10 ans avant de faire une demande en spécialité pour devenir orthodontiste. Une fois qu'il est accepté en orthodontie, c'est 3 ans. Donc, 3 ans de formation. Présentement, dans l'Est du Canada, il y a seulement l'Université de Montréal qui donne le cours d'orthodontie. Ils prennent 5 étudiants par année. En général, ils vont en prendre 2 de l'Europe, des Français ou autres, puis 3 Québécois. Ensuite de ça, pour devenir orthodontiste, sinon tu t'en vas à Toronto, Western Ontario ou dans l'Ouest canadien. Donc, c'est 3 ans au total. Donc, si on fait le schéma, tu finis ton cégep à 19 ans, disons. Tu rentres en médecine dentaire, tu vas faire 4 ans. Donc, tu gradues en médecine dentaire à 23 ans. Tu en vas faire soit une spécialité multidisciplinaire qui est comme un perfectionnement dentiste. Là, tu es rendu à 24, disons, ou tu as décidé de travailler 2 ou 3 ans. Là, tu es rendu à 27. Disons, tu as fini à 23, tu as travaillé 3 ans, mais tu es rendu à 26. Là, tu vas aller faire 3 années en orthodontie, tu vas graduer à 29 ans. Donc, les jeunes orthodontistes qui graduent vont avoir, en général, 28, 29 ou 30 ans. OK. Parce que là, tantôt, vous disiez, en général, les dentistes qui terminent vont sur le marché du travail, exercent comme dentistes généralistes pendant plusieurs années, puis ensuite, ils se spécialisent là, pour une durée de 3 ans en orthodontie. Mais c'est possible aussi de le faire directement. Là. On peut terminer sa diplomation en médecine dentaire, puis tout de suite aller, si on est accepté, dans la spécialité pour orthodontie. C'est ça? En général, non. En fait, il y a une loi non dite, je vous dirais, ou qui veut que le dentiste aille pratiquer pendant quelques années. Le fait qu'il pratique pendant quelques années, il va pouvoir comprendre les autres spécialités. Et ensuite, quand on va travailler comme orthodontiste, parce que nous, comme orthodontiste, on travaille avec les dentistes généralistes, on travaille avec les autres spécialistes, donc les parodontistes, les spécialistes pour les gencives, le traitement de canal, les chirurgiens. Donc, si on a travaillé comme généraliste, on va mieux comprendre l'ensemble d'autres spécialités de la médecine dentaire. Donc, en général, les gens qui sont admis ont pratiqué quelques années, à tout le moins, là, comme dentiste généraliste, pour comprendre l'ensemble de la profession. Et je pense que c'est votre cas. Vous avez exercé quelques années comme dentiste généraliste également. Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai pratiqué 12 ans comme dentiste généraliste. Puis, après 11 ans, j'avais le goût d'aller vers la spécialité parce que ça n'a pas été mon premier choix. Il y a des gens qui veulent être spécialistes dès le début. Mais moi, c'était pas mon choix. Moi, j'ai pratiqué comme 12 ans, comme généraliste. Ensuite, j'ai vendu ma clinique, vendu ma maison. Je suis parti à Montréal pendant 3 ans. Puis après ça, ben, j'ai recommencé. J'ai acheté une clinique d'orthodontie. J'ai parti ma clinique d'orthodontie. Et que je pratique depuis 13 ans maintenant. Donc, ça veut dire que ça fait 20. J'ai gradué en 92, donc ça fait 28 ans que je suis dentiste. Beaucoup d'années d'expérience, mais j'imagine que, comme vous dites, c'est favorable d'avoir exercé comme dentiste parce que une fois orthodontiste, ben on est capable de mieux comprendre là, quelles sont les étapes préalables à un traitement ou les étapes aussi qui sont en complémentarité d'un traitement d'ortho. Je me demandais plus spécifiquement quelles sont les différences entre un dentiste puis un orthodontiste? En fait, ça va un peu avec la formation, comme j'expliquais. C'est que le dentiste, lui, va faire ses 4 ou 5 ans d'université puis il va travailler comme dentiste généraliste. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, généraliste? Ça veut dire qu'il peut toucher aux 10 spécialités de la médecine dentaire. Alors, je ne nommerai pas toutes les 10, mais il y a la chirurgie, il y a les traitements de canal, le traitement des gencives, les plombages. Après ça, il peut y avoir les prothèses, les dents manquantes. Il peut y avoir des prothèses fixes, il peut y avoir la santé communautaire, je ne suis pas rendu à cette suite, là.
Donc, il y a plusieurs spécialités. Donc, un dentiste qui se lève le matin, à 8 heures, il va faire un traitement de canal. À 9 heures, il va faire deux plombages. À 10 heures, il va extraire une dent. Puis, à 10 heures et demie, il va faire un autre traitement de canal. Puis, à 1 heure, ben, il va faire une prothèse ou il va faire un pont. Donc, ça, c'est de... Vous comprenez que je vous donne une image, là. Et alors que l'orthodontiste, lui, il fait de l'orthodontie du matin au soir. Donc, sans cesse. Donc, en orthodontie, il y a quand même des traitements différents aussi. Parce que à 9 heures, à 8 heures, moi, je vais faire une traction canine, une canine qui n'a jamais sorti, qui est coincée sous la gencive. À 9h30, je vais faire un patient qui a besoin d'une chirurgie de ses mâchoires. À 9h, 10h, je ne sais pas les raisons. Mais à 10h, je vais mettre un appareil en bouche, un tout petit, qui a besoin d'élargir son palais. Donc, il y a quand même de, beaucoup de variabilité de traitement formé de façon très pointue sur notre domaine spécifique, donc étant spécialiste. Donc, l'exemple que je donne souvent à des patients, c'est la différence entre un médecin généraliste et un cardiologue. Le cardiologue ne s'occupe que du cœur, un pneumologue ne s'occupe que des poumons, un orthodontiste ne s'occupe que de l'alignement des dents et des mâchoires. Est-ce que ça veut dire quand même que vous pouvez exercer d'autres fonctions des dentistes? Est-ce que vous conservez quand même ces droits-là ou bien c'est uniquement votre spécialité maintenant? Intéressant. Oui, j'aurais les droits. J'aurais le droit de faire des obturations, des plombages. Mais quand on est rendu spécialiste, on aime tellement ça faire exercer ce qu'on maîtrise le mieux, c'est qu'on fait uniquement notre spécialité. Mais j'aurais le droit de faire des traitements de canal. Ben, je vous référerai pas à moi pour faire un traitement de canal, parce que j'ai pas fait ça depuis au moins 15 ans. Je vais référer votre dentiste ou une amie endodontiste. Une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à poursuivre vos études plusieurs années plus tard en orthodontie? Très intéressant. En fait, c'est le besoin de connaître plus. Être un bon dentiste généraliste, ça implique qu'il faut qu'on soit bon pour les traitements de canal, bon pour l'orthodontie, faut qu'on soit bon pour faire les plombages, bon pour faire les greffes de gencives. Je trouvais que c'était quand même exigeant. Et vient le moment où est-ce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire un certain nombre de traitements sans plus les faire. Et moi, je faisais déjà un peu d'orthodontie comme dentiste généraliste. Là, il y avait des choses que je comprenais, des choses que je comprenais pas, et des choses que je comprenais pas pourquoi je comprenais pas. Vous comprenez? Voilà, j'ai dit trois fois le mot, le même mot. Je comprends. C'est ça. Donc, j'avais besoin de spécialiser mes connaissances. Fait que j'avais hésité entre l'implantologie, devenir donc implantologiste, faire des implants à temps plein, ou devenir orthodontiste, une spécialité qui m'attirait déjà beaucoup. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir orthodontiste pour en savoir plus dans un domaine précis. Il y a une question ici de Parfait. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. En fait, ils demandent combien est-ce possible de traiter en un seul traitement ou une seule opération? Je m'excuse, il y a eu il y a eu un petit bruit dans le son. Pouvez-vous répéter la question? Oui. Combien de dents est-ce possible de traiter en même temps sur un même traitement ou lors d'une même opération? C'est la question ici de Parfait. Parfait. Donc, quand on traite en orthodontie, la majorité du temps, nous avons le contrôle sur l'ensemble de la dentition. Donc, un patient qui a 28 dents dans sa bouche, des appareils, que ce soit des broches, des appareils d'expansion, entre autres, ça c'est la moitié de la dentition, ou des coquilles Invisalign, nous avons le contrôle sur toutes les dents de la bouche en même temps. Donc, chacune des dents bouge l'une par rapport à sa voisine et le haut par rapport au bas. C'est pour ça qu'on doit avoir le contrôle sur l'ensemble de la dentition. Fait que la majorité du temps, on bouge toutes les dents en même temps. Toutes les dents en même temps, parfait. C'est une bonne réponse. Sinon, en terminant, parce que je vois que le temps file, pouvez-vous nous dire quelles sont les qualités nécessaires pour exercer comme dentiste ou encore orthodontiste? Ça prend des qualités de concentration parce que au quotidien, quand on s'assoit avec un patient, il faut être vraiment avec le patient et concentré sur le problème qu'il a et la façon de gérer cette situation-là. Ensuite de ça, ça prend des capacités cognitives dans la mesure où est-ce que c'est quand même des études assez longues et qui demandent de retenir beaucoup de choses. Donc, on a de la pharmacologie, on a de la médecine générale un peu,
On a de la santé, on a de la physiologie de la dent, comment la dent bouge, et on a de la mécanique, parce que c'est de la biomécanique, en fait, nous, avec laquelle on fonctionne. Ensuite de ça, ça prend des qualités relationnelles, donc, pour être capable de travailler au public, que ce soit pour emballer à l'épicerie ou pour être en orthodontiste, pour quand même avoir un minimum de qualité relationnelle avec les gens. Et des qualités en termes de travail d'équipe. Pour être orthodontiste propriétaire, ben, il faut rajouter une autre qualité, un autre chapeau. Là. Moi, je suis souvent avec mes employés, je dis que j'ai plusieurs chapeaux. Il faut avoir le chapeau de l'entrepreneur aussi. Est-ce donc, que la minutie, est-ce que ça en fait partie? C'est bon. Ça prend aussi la minutie et les qualités de dextérité. Excellent. Le souci du détail. Donc, merci beaucoup, Dr Veilleux, pour toutes ces questions par rapport à votre profession. Je suis certaine que ça a pu aider beaucoup de jeunes à la maison. Donc, si je m'adresse directement aux jeunes expos qui nous écoutent, bien merci beaucoup d'avoir été connecté avec nous aujourd'hui. Et puis, si tu souhaites en apprendre plus sur d'autres métiers, nous aurons également une avocate avec nous ce matin. Sinon, encore une fois, Dr Veilleux, en mon nom et celui de toute l'équipe Jeunes Expos, merci beaucoup pour votre temps, d'avoir pris... le temps, finalement, ce matin, pardon, d'avoir partagé votre passion là, pour votre profession. On vous en remercie beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.